Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons continuer Borderlands. Nous sommes donc à l'épisode 3 de notre Let's Play. Et donc nous sommes bien à Headstone Man. Donc j'espère que vous allez très bien et que nous allons continuer tranquillement notre petit let's play et aussi pouvoir détruire ce petit Slage sans aucun souci. Je l'espère. Non, donc on est bien là-bas. Donc là, on était rentré juste ici. Alors, c'est dommage parce qu'il y a des bonnes armures, mais bon. Malgré que c'est des flammes, on peut quand même les tuer avec. Hein. Je suis limite spécialisé en une arme. Ah bah ça va, très rapide comme fusil à pompe, j'adore. J'avais bien vu une grenade. Dis donc, ça cogne. Hein. Wow. J'ai eu une sorte de ralentissement de malade là. Hop là! Il met un beau headshot à lui. Alors j'ai même pas regardé alors que j'avais commencé mon let's play. Alors attendez, je regarde vite fait. Ok. Voilà, c'est bon, il a brûlé quand même. Oh là là, vous avez vu l'arme, elle est très très faible. Sans déconner, je savais pas. Il est en l'air. Allez, donc ça y est, ça. Bon, bah ça, c'était même sûr. Oh. Ok. À mon tour. Certes, tu as sa digue brutale. Encore? Non, il n'y en a plus. Ok.
pour ça que la compétence de brique est très très intéressante car vous êtes beaucoup plus résistant, c'est vraiment assez violent. Par contre, les armes qu'ils nous donnent, c'est de la grosse chiure. C'est quoi de ces armes? Non, le jeu maintenant il veut plus me donner de bonnes armes, c'est ça? Bah, il y en a quand même. Enfin. Parce que Brick, à part les. Son lance-roquettes et encore. Faut tomber sur un très bon lance-roquettes. Là, on n'a pas encore un bon lance-roquettes. Ça va être dur, dur. J'ai l'impression que c'est un peu l'opposé pour tous les. Enfin, pour tous les personnages. Ils vous montrent des armes qui sont efficaces, mais pour les autres personnages, en gros, ça vous force à échanger, à mon avis, les armes entre personnes. Moi, je pense qu'ils se sont organisés comme ça. Après, je dis peut-être une bêtise, hein, je ne sais pas. Oh, tout doux, canaillou. Il dit tout doux, canaillou. C'est des critical ball. Critical knacky ball. Ah, merci bien. Ne bouge surtout pas. Ok, bon, je vais recharger mes armes. Pendant ce temps-ci, hein. Bon, attends, je peux aller chercher ce qu'il y a là-dedans. Pour voir un petit peu. Bah là, il n'y a vraiment rien, quoi. J'aime pas. J'aime pas leurs armes embarquées. Bon. On va un petit peu les calmer. Bon, enfin là c'est plutôt eux qui me calment. Ok, bon. Ok, bon, ici c'est... Oh non, 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 non. Il est où, il est où, il est où? Voilà. Priez pour que je n'ai pas fait une boulette et non. C'est bon. J'ai l'impression que Brick il court beaucoup plus vite avec aussi ses vitesses de déplacement avec les. Il court bien vite la Brick, j'ai l'impression. Oui. Tout à fait, oui. Bon bah là. Ça sent un peu le roussi cette mission quand même. Hein.
Bon, ça va, on a un point de sauvegarde. J'étais invisible pour lui en fait. Champion du monde, quoi plume. Viens. Viens, sadique Pyro. Voilà. Bah, quand il n'y a plus de pouvoir, bah, on finit au fusil à pompe, hein, puis c'est tout. Bon allez. Voilà. Oh putain. Non non, toi tu n'essayes pas de nous tirer dessus. Non 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 non, ils sont trop vilains. Allez, tire, tire. Voilà, là je l'ai fait un peu exprès. Parce que vous avez vu, j'avais 3 points de vie, comme ça je retourne avec un peu plus de points de santé. Ok. Ça va, il fait bien mal. Moi j'aime bien Brick. C'est surtout cette compétence qui est géniale et que je vais en abuser. C'est un cinglé le type. On va remonter. Histoire de lui rejeter quelques petites grenades. Ok, viens. Tu es... Bah, cette mission, je crois que je me rappelle. Oh là là, j'ai fait le con. Pas tant que ça en fait. Lui c'est l'un des plus costauds de toute façon pour le moment dans le groupe. Hein. Avec aussi les brutales. Il n'y a que qui sont véritablement très très compliqués dans le groupe des ennemis classiques, devrais-je dire. Ok. On pourrait pas m'échapper surtout. Oui, bon là c'est bon, ça sert à rien. Tant que j'arrête la capacité tout de suite. Bah voilà. Donc du coup, on va continuer notre petit passage et bien sûr, soit dit en parlant, nous serons bientôt au niveau 19. Il nous reste environ 15% de la barre de progression. Oui, t'as raison. Oui, bon. Allez-vous calmer un petit peu, là? Non, 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 j'ai fait con.
Voilà, je me suis rapproché d'un ennemi. Voilà. Ok, donc ici, il y a encore du monde. Faut que je fasse très attention. Ouf. Je me suis sauvé la ville en faisant ça. C'est génial. Voilà. Juste ce qu'il me fallait. Ah bon? Qu'est-ce que je peux enlever? Ouais, j'enlève ça. Je prends mon fusil à pompe. Mon lance-roquette. Et là, donc on va monter sans plus attendre. Attendez, c'est normal que là je ne bouge pas, j'ai juste fait quelque chose, ne vous inquiétez pas. Donc là, on y va. Là on vend pas d'armes aussi. Voilà. Comme ça, le temps qu'on y aille, on aura assez de temps, oui, pour le faire. C'est une brute dotée d'un puissant bouclier que tu devras abattre avant de pouvoir le blesser. Ne le laisse pas te toucher. Faut pas tuer les bandits de Sledge. Ça énerve, Sledge. D'accord. Lui aussi, c'est une brute. Allez, Sledge, meurs. Alors par contre, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que je n'ai pas vendu mes armes, donc je vais devoir faire du triage. Alors le fusil à pompe de Sledge est génial. Le seul défaut, c'est que il est pas du tout précis. Il faut vraiment être véritablement, quand je vous dis au corps à corps, c'est sans exagérer, véritablement au corps à corps. Très très bien collé au niveau de l'ennemi pour qu'il prenne bien les dégâts. Tu aimerais savoir de quoi il s'agit. L'arche existe. Ce que tu détiens est la clé qui sert à l'ouvrir. Un fragment de cette clé en réalité. Donc là on va repasser au niveau de... des points de vente, etc. Avec, ici le commandant Steele de la Lance Écarlate, société Atlas, compagnie D, 3e brigade astroportée. On m'informe que vous avez débarqué sur Pandore à la recherche de l'Arche et que vous avez rapidement semé le trouble et tué plusieurs autochtones. Cette planète est placée sous l'autorité de la société Atlas et toute antiquité éridienne qui s'y trouve est la propriété inaliénable d'Atlas. Détenir une telle antiquité est sévèrement punie. Je vous invite à vous présenter au poste de la Lance Écarlate le plus proche afin d'y remettre tout objet ou toute information en votre possession. Ceci est votre premier avertissement, c'est également le dernier. Ça va, ils sont gentils. Bon, on va éviter de garder celle-ci en tout cas des SMG.
Et celle-ci aussi, je vais la vendre. Bon, bah voilà. Alors maintenant, faut que je mette un point de compétence. Alors, ah bah, on n'a pas encore fini. Hein. J'ai juste regardé quelque chose sur la carte. J'ai regardé quand même si on peut s'enfuir. Oui, bah apparemment oui. Si on peut pas s'enfuir du côté de Sledge, ce n'est pas grave. On refera la route. Il me semble que si. Oui, si je dis pas de bêtises, on peut y aller. Ok. Vous avez vu Sledge, moi j'en fais qu'une bouchée grâce à mon furieux. Et là je peux repasser tranquillement. Il y aura des ennemis limite. Ce sera limite des ennemis de base. Ouais. Là. Tout à fait, sauf que j'ai déjà passé au niveau de notre dernier point de passage. Et voilà. Donc au moins, on a fini Sledge. On avait eu aussi 9 orteils précédemment. Bornhead, c'est pas vraiment un boss, c'est un sous-boss. Donc ça va, ça commence déjà à monter pour nous tranquillement, mais sûrement. Donc on retourne à Arid Badland pour achever quelques missions. Yeah. Je crois que normalement on a quasiment fini. Je vais garder. Voilà, on n'a qu'une mission donc pour le moment. Ah, il y avait un petit souci. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là on a quand même pris pas mal de niveaux. C'est vraiment génial. Ça va nous permettre de pouvoir continuer nos missions tranquillement. Surtout que si vous voulez continuer Borderlands, bah oui, il faut farmer un petit peu au niveau de votre expérience, sinon vous n'êtes pas dans le caca. Oh punaise, abusé. Je me prends les deux trucs quoi. Donc après Sledge, je ne sais pas qui on va avoir. Je me rappelle plus. Ah, il n'y a pas de mission acceptée aussi du tout. Non, pas de panneau des primes. Ok. Ben. Abusé. Alors, donc, on va éviter de faire celle-ci pour le moment. On va essayer de faire ça. On va faire donc les deux quêtes qui sont là. De Ariad Badland. Ariad Badland. Ah, nous deux. Je dis toujours Ariad, je sais pas, ça le fait Ariad pour moi, je sais pas, j'ai l'impression. De la pâté pour chien, s'il vous plaît. C'est de la pâté pour chien là, maintenant les bonhommes sont complètement écrasés. Petit morceau. Super cool. Ouais, je fais des sauts de malade moi. Jamais attention à ça. On y va. Et qui veulent être vilain avec moi. On va être vilain avec eux.
Donc ici... Bonjour Brice. Ah oui, carrément. Ils sont pas sympas. C'est les nabos qui essayent de faire leur loi. C'est quand vous voulez pour mettre des armes correctes. Parce que là, ça commence à être abusé. J'ai que des vieilles armes. Là, j'aurais dit l'arme, elle aurait été superbe. Ça peut être intéressant. Bon, lance-roquette. Je m'en sers quasiment jamais, en fait. Même si... Il faudrait que j'ai véritablement un très très bon lance-roquette pour pouvoir véritablement l'utiliser. Abusé, il faut se mettre accroupi. Il est tellement grand, lui. Alors, les boîtes de cigares, ça va être où? C'est aussi là? Ok, bon. On va aller chercher les boîtes de cigares. Après qu'on fait les boîtes de cigares, il y a aussi l'émission des crânes. Et je pense qu'on aura déjà fait... oui, un bon petit passage de Borderlands. Alors... Attendez, je suis en train de regarder. Ouais, donc ça va être toute la zone ici, ça va être les deux missions. Par contre, il faut que je regarde quelque chose. Il n'y a pas de passage pour aller en haut. Donc ici, on a 10 crânes à aller chercher aussi. C'est moi votre bourreau. Les trousseurs sont un peu plus costauds que les classiques, hein, vous pouvez voir. Mais ça va. Que les bandits classiques. Bon allez, on va chercher tous les crânes maintenant. Alors, là on a deux crânes. Et il y en a un troisième. Quatrième. Je peux peut-être pas vous échapper, mais bon. Je peux vous tuer. J'attendais qu'il descende pour pouvoir avoir une meilleure visée sur celui-ci. Ouais, c'est vraiment nul quoi. Il y en avait deux des sortes de grosses brutes là. Les bruiseurs. Bruiseurs. Donc là, on a 5 crânes. Je crois qu'il doit en avoir 2 ou 3 dans ce coin-ci. Donc là, il y en a un que je vais prendre tout de suite. Donc 6 et 7. Ici, les armes. C'est pour moi. C'est vraiment des armes de brain. On est à 8. Là, on aura le 9e. Il nous restera un dernier crâne à chercher. 9.
Comme j'ai tué pas mal d'ennemis dans le coin. Est-ce qu'il est dans ce coin-ci? Alors je ne sais pas parce que j'en ai tellement tué des ennemis que j'ai pas fait gaffe. Il ne doit pas être très loin, de toute façon on est dans la zone donc. On va le trouver ce dernier crâne. Ok, pas ici. Non, on l'a pas mis en haut là. J'ai quand même regardé si on peut pas le trouver via la TH. Alors. Ben voilà. J'ai bien fait d'utiliser la TH, parce que j'étais juste en train de chercher à l'intérieur, elle était juste au bord. Super sympa. Après on doit aller chercher aussi boîte de cigares. Alors les boîtes de cigares, retour de produits. J'ai juste aller sur la map. Ok, donc il faudrait que je passe en dehors là-bas pour pouvoir monter et avoir ma boîte déjà en roue. Ok. Génial. C'est là-bas. Ok, c'est là-bas que je dois aller. Donc j'étais bien tout près des cigares. J'aurais pu faire les cigares sauter, après faire les crânes, mais bon. Je n'avais pas remarqué. Ok. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui va m'attendre là-haut. On verra. Apparemment non. Bon. Il n'y a rien. C'est mon truc. Ah. Allez. Je n'ai pas le tank pour tout ça. Je crois qu'ils sont tous morts. Hein. Et bien voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. Donc on aura quoi? Oui, on va... J'ai gardé le temps qu'on a encore. Ah, il n'y a plus de tank. Donc là, ben, ce qu'on va faire, on va se mettre tout près du passage. Eh oui, les amis, ça passe tellement vite, Borderlands. Donc on va aller là-bas. Oula. Je crois qu'il y a rien, un petit problème. C'est ici. On est d'accord. Tac. Donc faut bien enregistrer. On va aller là. Donc on se retrouvera certainement sur Hearthstone Mine. Pour un prochain épisode de Borderlands. Donc là je vais vraiment m'assurer que ça puisse sauvegarder la partie. Et on fera donc la mission que je viens d'activer exprès pour pouvoir être tranquille. Alors, je vais regarder, je vais mettre là. Voilà, comme ça, ça enregistre véritablement bien. On va vendre. Je l'ai vendu parce que je m'en sers pas. Hmm.
assurance vie et santé max. Ouais, sa santé de l'équipe aussi, donc ça va être vite fight. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc ici pour amorcer les charges et pour détruire la pipeline. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et salut à tous les amis.